Salut les amis, c'est Marcus. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo détente sur le solo de GTA V sur PS4. Et on retrouve notre très cher ami Trevor qui nous attend tranquillou dans l'appartement. Alors, on va continuer le solo comme d'habitude. Je ne sais plus si vous vous rappelez de ce qu'on avait fait la dernière fois avec le petit Trevor, mais on avait établi un petit plan pour récupérer je sais plus quoi. Alors voilà, je vous montre un petit peu le tableau qu'on avait fait la dernière fois où on pouvait choisir deux approches différentes. Donc soit l'approche par le cargo ou l'approche au large. Vous voyez avec vos yeux ébahis qu'on avait choisi l'approche cargo. Et ça va un petit peu se dérouler comme un braquage en fait. Il va falloir faire des petites missions pour récupérer tel ou tel véhicule. Et ensuite on fera carrément l'attaque, pas l'attaque finale, mais vraiment la mission principale. Alors, c'est parti. Mon véhicule, il est là. Voilà. Alors, je sais plus du tout. Il y a plein de points d'interrogation. Il faut que j'aille peut-être là. Mini sous-marin. Ah, bah écoutez, on va prendre le mini sous-marin qui est là. Voilà. On va prendre un petit peu mieux. Voilà. Allez, c'est parti! Alors comme d'habitude, on est au petit matin, hein. Là il est quelle heure? Là il est 8h33 du matin. Et bah puis voilà, c'est tout, hein. J'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Désolé encore une fois, j'aime bien m'excuser en ce moment, parce que c'est vrai que je ne fais pas des vidéos assez régulièrement sur ce jeu, sur la chaîne secondaire. Mais bon, peut-être que ça va s'arranger dans les semaines qui viennent, parce que voilà, là en ce moment je fais deux vidéos sur ma chaîne principale, plus des fois de temps en temps une vidéo sur la chaîne secondaire, ce qui fait quand même pas mal d'activités. Et très bientôt je vais peut-être revenir pendant un certain temps à une vidéo par jour sur la chaîne principale, ce qui va me permettre de faire un petit peu plus de vidéos sur ce jeu. Ouah, j'ai eu chaud. Enfin voilà, je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler peut-être dans le futur. Hop là. Alors, il faut que j'aille à gauche. Ok, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas joué au solo, hein, parce que c'est vrai que moi le solo, je n'y joue pas, hein, de mon côté, hein. Vraiment, quand je joue au solo, c'est uniquement pour faire des vidéos avec vous. Tout simplement. Donc c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas joué. Bah, au moins une semaine, hein. Au moins une semaine. Hop là. Même si c'est vrai que j'y joue quand même pas mal de mon côté, mais c'est surtout sur GTA 5 Online. Avec la TFMG ou tout seul dans mon coin. Mais ouais, je vais essayer d'avancer un petit peu plus rapidement dans l'histoire, sinon on va mettre 300 ans à faire le jeu. Parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, hein, j'avais fait une petite demande dans l'une de mes dernières vidéos pour savoir si vous vouliez que je fasse le jeu à 100% avec vous. Enfin, pas à 100%, mais du début à la fin. Et voilà, tout le monde était intéressé pour que je fasse le jeu. Donc, il n'y a pas de souci, on fera le jeu. Mais bon, ça prendra un petit peu de temps. Hein. Autant vous le dire tout de suite, ça prendra du temps. Mais bon, là, il n'y a pas trop de jeux qui vont sortir dans les mois qui viennent. Hein. Il va y avoir quoi? Il va y avoir le jeu Ride, il va y avoir Mortal Kombat, ensuite il va y avoir The Witcher 3, enfin voilà. Les jeux vont sortir vraiment au compte-gouttes, hein, espacés de pas mal de semaines. Ce qui va me permettre de vraiment me concentrer sur ce jeu, enfin j'espère en tout cas. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui sortent, j'ai quand même pas mal de jeux à faire de mon côté. Voilà. Alors, faut que je passe par où? Faut que j'aille sur le bateau. Passer par là. Hop là. Vas-y, monte, Trevor. Alors j'ai changé la tenue, hein, vous voyez, j'ai mis un petit pantalon militaire avec une petite veste tranquillou. En fait. Le petit pantalon redneck, hein, militaire, mélangé un petit peu à des habits plus classe au niveau de la veste et du polo. J'ai bien aimé le contraste. Alors pour ça, j'ai gardé cette tenue pour la vidéo.
Alors, du coup, il faut qu'on monte là-haut, mais on passe par où? Est-ce que je peux passer par là? Ah, j'ai pigé. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Oh, le gros... le gros connard, ce Trevor. Je me suis bousillé la vie, regardez la jauge. Ah, là, elle remonte un tout petit peu, mais... Ah, la jauge a été je suis pratiquement mort en faisant ce plongeon. Quel boulet, ce Trevor. Forcément, il fait un plongeon de ouf alors que... Le mini sous-marin est juste en dessous. Petit fail pour commencer. Alors j'attends que les flics disparaissent. Pendant ce temps-là, je vais boire mon petit ma petite tasse de café au lait. Elle est plutôt bon, hein. Ça se trouve, je vous donne envie de boire un café au lait ou de boire autre chose. Alors. Et bon, que voulez-vous, à chaque fois que je fais une vidéo, faut toujours que j'ai une petite boisson, froide ou chaude, à côté de moi. Histoire de faire du bien à la gorge, parce que c'est vrai que le fait de parler tout le temps, non-stop, pendant des heures et des heures, toute la journée, c'est fatigant pour la gorge, et fatigant pour la voix, bien sûr. Parce que là, c'est pas ma première vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait... Deux vidéos avec une personne. D'accord. Je vais mettre un petit peu en vue FPS pour voir. Okay. Ouais, mais. Oh, excellent! J'avais jamais vu! Un épaulard! Excellent! Parce que oui, voilà, aussi je peux vous le dire, j'ai jamais, voilà, comme je vous ai dit, comme je ne joue pas au solo de mon côté, du coup je n'ai pas encore rencontré de dauphin en nageant près des côtes, voilà, c'est la première fois que je vois un épaulard pour de vrai dans le jeu. Enfin voilà. Vraiment sympa. Faudrait qu'on fasse un jour une petite expédition, je sais pas où on pourrait aller, pour essayer de croiser des dauphins, pour nager parmi les dauphins, ou voir nager avec un orque, ou croiser des raies manta, etc. Parce qu'apparemment il y a pas mal d'animaux marins. Elle a dit la vache, le sous-marin, tu peux pas avancer plus vite s'il te plaît, parce que là, à cette vitesse là, on met 3 ans à faire la mission là. En tout cas, on n'a pas trop le choix. Écoutez, pas trop le choix. S'il faut avancer à cette vitesse, va falloir faire avec. On va faire que cette mission là d'ailleurs, je tiens à vous le dire, on fera que cette mission là aujourd'hui. J'entends les cris des épaulards ou des dauphins, je sais pas, mais et du coup je crois que je me suis coupé la parole. Donc oui, je disais que je vais faire une vidéo assez courte. Bon, on va faire que cette mission là et puis après j'essaierai d'enchaîner. Ensuite le prochain épisode ce sera avec Michael, et ensuite on repartira une vidéo pour faire les missions solo avec Franklin. Et le fameux Hey, c'est Franklin, épisode 4. Donc voilà, pour ceux qui attendaient, pour ceux qui attendent l'épisode 4 de Hey, c'est Franklin, il va falloir attendre encore une bonne semaine, voire 2 semaines. Ah, j'ai mal à la gorge. Pourtant, je me suis pris une boisson chaude, ça devrait faire du bien.
Oh merde. Ah, je sais pas si on peut bousiller le mini sous-marin en fonçant sur le corail, je ne sais pas. Voilà. Ok. Voilà, apparemment, voilà, il fallait récupérer le sous-marin. Et est-ce que c'est nous qui allons conduire le camion? Là est la grande question. Oui, on conduit, cool. Allez. Excellent. Alors, combien de kilomètres on a à faire? Oh, pas beaucoup. On va vraiment pas loin. Alors, on n'a même pas 750 mètres. On va peut-être me mettre en VFS. Voilà. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from. Oh, j'ai sous-estimé le virage. Voilà. Jamais y arriver, hein. Voilà. You can park it there. You're sure it'll be okay there? Ouais. All right. If you're wrong, I'll eat your sweet meats. Now get out of here. Ok. C'est la fin de la mission, non? J'aime bien faire ça. J'aime bien les pousser quand ils courent. Faut que je monte avec lui ou pas? Ok, non, j'ai pas besoin de monter avec lui. Du coup, on va faire une autre mission parce que c'est vrai que je vous ai dit qu'on fait cette mission là, puis on arrête, mais on va pas s'arrêter au bout de 15 minutes de vidéo. On va en faire une autre quand même. Tac tac. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus longue, c'est tout. Alors, on avait dit. J'ai le L, c'est qui? C'est Lester. Ah, L, assassinat. Ah non, c'est pas moi ça. Assassinat, c'est pas moi. C'est Franklin. Moi, l'émission, c'est de couleur orange. Donc, bah écoutez, hein. J'ai pas d'autres missions là. J'ai pas d'autres missions avec lui à part des points d'interrogation à faire. J'ai pas grand chose. Bah on va faire. Ah 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 ah. Who the fuck is this? The guy keeping you out of the gas chamber. Townley's on his way. We need to talk face to face. Warehouse off Dutch London and Banning. Oh, we can do more than talk, my friend. Voilà, on a une mission. Alors juste avant. Voilà, je voulais vraiment les empêcher de manger. Ok, faut que je change de perso. Ah, peut-être que je vais lancer une mission principale. C'est fort possible. Ah, notre petit Michael avec sa barbe. Gotta quit that shit, man. Yeah, I know. I take speed mostly, and look at me. Boom! Best shape of my life. Yeah. Yeah, I could still take you sugar tits. That's because you're fucking deranged, not because you're in good shape. Hey, why don't you stick to doing fucking crunches and feeling bad about yourself, alright, pork chop? Hey, fuck you. You know, I'm beginning to think that's exactly what you want to do. Yeah. Jesus. Just said the same fucking thing to my wife. Just
see his face that last time I popped it. Boom! Oh, ladies! God, you're an asshole. You back there. I know you, but you, I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! He reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than a tail catcher. I have to fucking remember that line. You. Where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh, what are we doing here, huh? This. Please, keep the sleep best of the way from me. No, Ferdinand, he's gone. He's gone. It's okay, I've got some new friends here now. This is Michael, and this is Trevor. No. Now, our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. I don't know anything. Please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi audiovisual. It's top man, good price, VIP, you know? You're a fucking spy. No, and the asswipes at the agency know this. No. So I need to know. What did you tell them, and what did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. What? Hey! What is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockford Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No. Because I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know, go for a drive. Wait. No. You get to work, and I'm not here. Ok, donc le Trevor va s'occuper du mec pour le torturer, hein, je me rappelle de cette scène, et nous pensons là on va aller à la maison. Ok, pas de soucis. Je suis parti avec qui? Ok, je suis parti avec le mec avec le flic, je sais plus comment il s'appelle. Hop. Putain, j'ai pas vu qu'il y avait un petit saut à faire. Je l'aurais vu plus tôt, je l'aurais pris beaucoup plus, mieux. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Alors, on parle là. Non. Voilà, dégage. You know who else is having trouble keeping secrets, asshole? Me. After you brought Trevor in on this. Ah, si je me rappelle bien, je crois que on va faire les missions là, la mission que Trevor a lancée, on va la faire petit à petit, et je crois que finalement Michael va nous donner un coup de main avec Franklin, mais j'en suis pas sûr. Hein. Vraiment, j'en suis pas sûr. Putain. What does he know? Oop, he knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? Help! Hey, je conduis un petit peu plus. The fuck does that matter? Either you were working with us before the cash depot job. Bourrin, histoire d'avancer un petit peu plus vite. Parce que si je joue tranquillou, je vais pas avancer. Ah putain, bon, c'est vrai, faut pas non plus que je joue comme une grosse merde. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, hein, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à trouver mes mots. J'ai peut-être trop blablaté tout à l'heure. Il y a un peu de la fatigue qui s'est accumulée. Je cherche des excuses, hein, comme toujours. Attention! Ouais, ça passe. Back there. Putain. Trevor made you right away. The second he saw you. This is bullshit. Okay. This place, Davey. They've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. Shit. You are kidding me. I'll call Steve.
wrong house. This guy is an Il va morfler le le gars cassé sur la chaise. Sure. Mauvaise information. Get me another address. Hey, you want a coffee? Voilà, je m'en doutais. Trouver la cible, torturer Monsieur K. Ok, Monsieur K, qu'est-ce que je vais choisir? Where do we start, eh, buddy? Wait, what are you talking about, the wrong guy? No, who do you want? Just tell me what you want, huh, man? Huh, please, look at me, please. On va prendre la pince. On va prendre la pince. Et je crois que la pince est pour les dents. Alors moi j'ai horreur de ça, mais va savoir pourquoi je l'ai pris quand même. Merde. Qu'est-ce qu'on fait pour arracher là? Ah, dégueulasse. To make a man talk is to stop him being able to talk. That's too much. Mr. Phillips, ask him about Tahir Javan. What didn't you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash. They're right on the Western Highway. Well, that wasn't so tough, was it? Huh? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the Western Highway. Chumash. Les mecs peinards, ils attendent et ils boivent leur café pendant que Trevor il est en train de torturer Monsieur K. What a dick. T'as les mecs, ils ont plus aucune conscience quoi. Alors hop. C'est parti, on a 2 km. Oh, tu as le scooter. Voilà. Oh, t'as de la chance. Tu tiens bien sur ton scooter, toi, t'as de la chance. Attention. Voilà. Seems like a productive relationship. Like I said, he's got his uses. And as you can see, we're trying to take full advantage of him. C'est par là. This thing with the agency gets put to rest and we don't need you anymore. OK. And what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a Merde, j'étais en train de lire les écritures. You told me it'd be a clean job, no casualties. There were more eyes on that town than there needed to be. Yeah, well, according to my eyes, Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine. Don't. As much as Ah, je voulais foncer sur une moto qui est forcément fonçant sur une bagnole. Incroyable, mais vrai. Has he said anything about Brad? Tiens, lui là. Fuck yeah, he has. Plenty. Oh, t'as trop de la chance. Oh là 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 là. Ah, j'ai vraiment pas de peau aujourd'hui hein. Ce que je veux faire, je y arrive pas. Oh, je l'ai pas fait tomber. Forcément, il y a plus de moto. Alors, faut que j'aille où là? D'accord, ok, on est en mode vraiment vénère, sniper et tout. Yeah, we need a description of the target. Yeah, I'll take care of it. Loosen him up. No, no, please, I tell what? You what Loosen you want. Him up. No, no, please. Le pauvre. La clé, on peut pas l'électrocuter, la clé. I said loose. You can't. Non, que ça. Dead arm. Hey, 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 hey. Now? Huh? Now you ready to talk? I've been ready to talk since the day I got kidnapped. That's what we were afraid of. So, yeah. This guy we're after. What does he look like? I was built. I was high, middle age. Yeah, it sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? Okay.
Alors. Un mec à la peau bronzée. We're live. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know? You might be an Azerbaijani for all I know. What's one look like? They look Eastern. Half this town looks Eastern, Davey. You got the fall of the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. Up, up. That ain't gonna cut it, my friend. Shit, shit. Let me think. I remember. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won. I remember. I remember. Bah, je vais prendre la. Truc à agressivité, voilà. On va lui faire un petit coup de jus. Oh, on voit la marque sur le bras là. Il a un sacré bleu. Hein. Alors, maintenez L gauche. Voilà. Oh, les tétons. Hop. Ah, oh, les tétons, ils sont rouges. Ah, les conneries. Tiens. Tiens. Ah, les trucs de sadique. So what have you got for us? Hmm? We need Trev to shake up your memory again? No, he's got beer. Uh-huh. No. I think you're making this up. No, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling the truth. Bushy beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informant and just call an airstrike on Chumash Beach. Ok, j'ai vu des mecs avec des barres, mais je crois qu'ils sont plusieurs. Hein. Who am I looking for? Steve. Ah, lui, il a une barbe. Anything specific, or is some stubble gonna cut it? Let's start at Mountain Men, and we'll work our way down. Ok, j'ai peut-être visé le bras. Ah, lui là. Ah, there's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for. Ah ouais, c'est ça. Il y a au moins 3-4 barbus, quoi, voire peut-être plus. Alors. Land of beach hipsters. We need more. It's gonna be a long day until you give us some intel on our target. He's got beer. He smokes like a fucking chimney. I don't know. Trev, maybe one more time? Just to be sure. No, please, no. Huh? I told you, he smokes. That's all I know. Bah, je crois qu'on va utiliser. On va sure, pas le brûler. On va lui arracher nos dents. Je n'aurai plus de dents, bah t'as plus qu'à. T'auras plus qu'à acheter des dents en pivot. Ah, c'est dégueulasse quand même. C'est. Galère qu'il faut le faire quand même. Hein. They just keep going down. It feels like you ripped my jaw out. Well, that's what happens when you put the body through the ringer. Here goes. How long was I out? Ah, il y a le seringue dans le corps. Voilà. Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chain smokes. And he's left-handed. What's that? He chain smokes. And he's left-handed. Ah, okay. Okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes? Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Okay, alors gaucher, surtout gaucher, il faut le regarder. It ain't the cigarettes that kill him. It's the guys who put the warnings on the package. Face, ouais, il est gaucher, lui. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. Là, il fume, mais c'est de sa main droite, donc ce serait bien lui, là, hein, le mec qui est là. Ah, I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. Well, as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it.
Now I'm taking the shot. Davey, I got some. Definitely a lefty. Voilà. Redwood smoking, bearded, maybe. Je pense que c'est bon là. Used to be Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work, the pair of you. Now I got a racquetball game to get to. So Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up. That's the sport. Let's go. Come on. Wait a second, Mr. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go. Get up. Come on, up the fucking stairs. No, for fuck's sakes. Come on. Let's go. All right. Now you got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Oh, safety first. Ok, comme vous pouvez le voir, le Trevor, c'est pas un enculé de première. Vous voyez, il a... Il va pas tuer des gens qui ne le méritent pas. Enfin, ça va dépendre pourquoi, mais là, il a quand même une conscience. Voilà. C'est ce que je veux vous dire. C'est que le Trevor, il a une conscience. Et c'est ça qui est bien dans GTA V, c'est que... Par les choix qu'ils font tout au long du jeu, t'arrives à cerner un petit peu leur, leur raisonnement, un petit peu leur, leur caractère. Donc Trevor, on sait tous que c'est un allumé, hein, un fou furieux qui peut tuer pour un rien. Mais vraiment, vous voyez, il y a des... Voilà, quand... Notamment peut-être qu'il y a un petit... Il a pris... Enfin, il a la pitié pour le gars qu'on a, qu'on a torturé, Monsieur K. Et bah voilà, il veut le libérer. The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. Ça c'est vraiment bien. We needed to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. Par contre, le mec, il est un petit peu torse nu, donc je sais pas si t'as le droit de voyager dans cet état. Run, you're free. Oh, what? But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? Now look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Come on. Le pauvre. Bon, bah du coup, on a fini la mission. Je suis à peu près 36 minutes, donc on va s'arrêter là, les amis. Hein, c'était histoire de quand même dépasser la demi-heure. Hein. Voilà, je suis pas du genre à faire des vidéos qui durent non plus 15 minutes, comme certains. Vaut mieux que... On peut se baisser, je savais pas ça. Bizarre ça, cette option là. On peut se baisser. Bizarre, ouais. Du coup, je sais plus ce que je disais. Donc, oui, voilà. Je veux tous vous voir au terrain. Vous soyez. Alors. On va pas y aller tout de suite. Quoi, qu'est-ce que c'est loin? On va pas y aller parce que j'ai peur que ça lance une nouvelle mission. En tout cas, voilà. Mission assez chouette malgré le fait qu'on ait torturé un pauvre mec. Mais voilà, oui, on n'avait pas trop le choix encore, j'étais gentil, hein, je l'ai pas cramé. Hein, voilà, on va éviter un petit peu les sévices corporels qui pourraient marquer à vie. Hein, même si voilà, les dents arrachées, ça peut se remplacer, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Un bras fracturé, ça se répare. Mais bon, une brûlure de peau, ça se répare pas. Hein, la peau, ça se répare pas, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me propose, il propose plutôt. Tell Floyd it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. Ok, bah vous voyez, on a
la mission qui s'est débloquée là. L'autre mission pour... je crois que c'est la mission qui est là. Smoke and the Water. Ok. Bon, du coup, les amis, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce vert. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et à également à laisser tout plein de commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous aurez fait comme moi au niveau de la torture? Est-ce que certains d'entre vous auraient utilisé l'essence pour le brûler? Enfin, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne principale comme sur la chaîne secondaire. Donc sur ce, je vous laisse. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.